Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des enfants parfaits et des ados parfaits. Et c'est le bordel, ils dorment pas du tout là où je leur ai demandé. Quel est le fuc? Pourquoi c'est comme ça on a fini les derniers épisodes? Je m'en souviens pas. Ah. Ouais, d'accord. Ok. D'accord, bah écoutez, ils vont faire leur vie. Qu'est-ce que c'est que ces fringues, Cécile? Ah oui, c'est peut-être ces fringues de froid et que j'ai pas changé. Je pense, hein. Tu vas nous faire quoi? Une salade, c'est bien. Elle prend soin de son. De sa. De. Ok! Bon, eh ben, on est tout de suite dans le vif du sujet. Toi, tu vas manger ça. Tu vas manger ça, tu vas prendre ta douche après. Bon. Contrôle des émotions, résolution. On est samedi, donc on va avoir là, le temps de faire énormément de choses pour chacun. Tu iras prendre une douche après, en contrôle des émotions. Tu vas écrire dans ton journal intime, écrire dans ton journal intime, te taper une petite course. Là, je pense que t'es bien, toi, pour l'instant. Toi, tu manges. On est OK. Oh, tu as que la résolution de conflit. Est-ce que Charlotte a la résolution de conflit au top? Oh là 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 là, je vous jure, on approche de la perfection pour tout le monde. C'est génial. Est-ce que tu peux... Non, alors c'est toi, en fait, qui va être méchante avec ta sœur. Tu vas être méchante. Ah non, mais on est dans le top là. Non, mais qu'est-ce que je fais dans l'amical? C'est dans méchant. Accusé de toucher ses affaires. Puis après, s'excusera. Oui, parce que là, mon but, ça va être la résolution de conflit. On est dans le week-end. Ils vont grandir. Bon, on a le temps en fait. Dans 9 jours. Mais peut-être que finalement, si je réussis le challenge. Si je réussis le challenge avant. Eh bien, on pourra arrêter là. Je sais que vous n'êtes pas trop. Punaise, toi, on va faire, t'as raison. Vous n'êtes pas OP. Pour que j'arrête plus tôt, je pense, mais bon. Hein, on va pas risquer. Hein. Toi, tu continues ta salade? On va mettre de la cire d'oreille, ça donne un peu plus de. Oula! Ça bug, ça bug. Tu lui as dit des trucs à ta sœur? Elle lui a rien dit du tout, si? Mais oui, mais pourquoi tu mets la table, toi? Je t'ai pas demandé. C'était lui qui devait le faire. Oh là là, Nicolas. Est-ce que tu peux... Ok, tu vas faire... Ouais, voilà, allez. On va faire ça comme ça. On va s'occuper de toi après. Voilà, alors, les filles. Louise, tu peux... Gueuler sur ta sœur, s'il te plaît. Toi, t'as quoi? La résolution de conflit. Ah, elle a que ça, quoi. Mais tu l'as accusé, tu l'as pas accusé. Oh, mais ça m'énerve. Ça commence comme ça. Hein. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? T'entraîner? Non, mais non. Oh, oui! Connasse, reviens là. Non mais c'est une blague. Lui, il a pété la gazinière aussi. Oh, il m'épuise, il m'épuise ici. Bon, tu veux lui parler, mais déjà, c'est que le début de l'épisode. Je suis déjà en train de m'énerver. C'est pas bon pour moi. Alors, s'excuser? Ok. Essayer de se calmer. S'excuser. Bon. Oh putain, c'est vénère là.
Bon, résolution de conflit. C'est bon, vous êtes bonne amie. Est-ce que toi, ça t'a fait augmenter Bon, je suis pas sûre. On peut dire, je sais pas. Elle augmente. Contre des émotions. Cécile, je te vois que t'as rien à faire. Résolution de conflit. C'est vraiment le truc le plus relou à faire, mais genre comme il faut quoi. Ah. Mais non, mais il va falloir que vous alliez dehors vous friter avec le premier venu, quoi, comme la dernière fois, on avait trouvé une ado qui nous avait servi de bouc émissaire. Oh, bah oui, on est le printemps. Ah oh oui, excusez-moi. Voilà. Ah tiens, il y a des gens ici. Alors, tu vas faire une présentation grossière et une présentation grossière. Tu as un peu de frité et après tu t'excuses. Ce sera parfait. Nicolas, Nicolas et Marjolaine, tu manges. T'as pas l'air en forme, ta résolution de conflit, ton contrôle des émotions et ton empathie en a pris un coup. Est-ce que du coup tu pourrais courir pour te vider l'esprit au moins deux fois? Tu reviendras te prendre une douche. Ok. Papa, il faudrait peut-être que tu te lèves un peu, non? Ouais. Tu vas me réparer ça. Engager Théo Martin comme traiteur. Ah oui, c'est rigolo. Ouais, ils font le ménage et tout. Ah oui, ils sont des bonnes manières. Hein, que je voulais que je vous dise, tira réparer ça aussi. Oula! Promotion! Ah, mais il travaille aujourd'hui? Merde. Ok, promu diffuseur de contenu spécialisé. C'est la même amusant, publie un statut. Ok. Non, pas travailler à la maison. Oh, mais je pensais pas qu'il bossait, moi. On est samedi quand même. Ah oui, bon. De 10 à 14 h. 100 000 abonnés! Devenir concentré, enregistrer la fémination en étant en colère. Ok, donc ben, il y a quelqu'un qui va devoir se friter avec son daron. Qui est chaud pour se friter? Oh, lui, il résout son conflit. Putain, lui, la queue! Contrôle des émotions! Mais tu es parfait, mon petit Paul. Et pourquoi t'es fatigué? Mais qu'est-ce que tu fais? T'as pas été dormir? En même temps, ici, vous avez aucun lit à vous. Va dormir un peu. Et après, quand tu auras bien dormi, tu iras courir pour te vider l'esprit. Puis, tu écriras dans ton journal intime. Je dois vraiment y aller. C'était ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Là, c'est Silounette, qui est vulgaire ou nette. Tu vas crier des mots interdits. Donner de fausses mauvaises nouvelles. Fausses mauvaises. Oui. Si, oui, je sais plus. Bref. Il a peur, le vieux. Excusez. S'excuser. Vas-y. T'as fait diminuer ses manières, mais bon. Bon, ça va mieux. Ça va mieux? Je sais pas. Ça m'a l'air nul à chier quand même. C'est très compliqué à faire. Je vois quoi je me suis embarquée, moi, en commençant à faire ce challenge. Non, bah tu vas re-être méchante alors. Tu vas pousser. Tu vas pousser la de madame là. Nathalie Fort. Essayez de se calmer. Ouais, d'accord, c'est pas. Non. Non, ouais. Putain.
C'était quoi les trucs se renseigner sur la vieillesse? C'est toujours très sympathique. Pardon, excusez-moi. Essayez de discuter. Allez. Ouais, elle est en colère, elle. La résolution de conflit a augmenté quand même parce qu'elle a essayé de discuter, trouver un terrain d'entente. Allez. Ça monte. Après, c'est très lent. Essayer de calmer et supplier de pardonner. Ah ouais, non, mais ça va être chiant en fait de se. Ah, cool! Ah, oh, et là, ça a bien augmenté d'un coup, hein. Oh non, 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 fais pas de conneries comme ça. Tu t'excuses. Et tu t'excuses. On s'en fout de ce que tu racontes, la vieille, là. Allez! Allez! En ce temps-là, je gère pas les autres, moi. Oh, on y est presque, on y est presque. Oh. Elle est toujours vénère. Effrayée. Non, tu vas. Non. Essaye de se calmer. Toi, tu la vénères, mais d'une force. Alors. Essaye de discuter. Normalement, là, c'est bon, ça devrait remonter. Hein. Non? Oui, résolution de conflit. Oui, ça monte, ça monte, ça monte. Essaye de discuter. Vas-y, insiste, mais vas-y! Ah, oh, t'es chier. Et là, essaie de discuter. Arrête avec ton téléphone et chope là. Chope là! Oh, Cécile. Oh oui, ça monte, ça monte, ça monte. Ah, mais pourquoi t'es fatiguée comme ça? T'as pas dormi ou quoi? Trouver un terrain d'entente, ça devrait être bon là. Et maintenant qu'elle s'entend vraiment pas avec elle, les autres pourront lui donner des conseils en fait, je pense. Ça t'a fait augmenter? Ouais, ça t'a fait augmenter. Est-ce qu'on peut encore faire juste. Ah, vas-y, encore une. Ouais. Tu vas t'excuser encore. C'est très chiant, hein. Allez. Bon, ça n'augmente. Nous essayons d'améliorer notre relation. Hein. Merci beaucoup pour votre aide. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas tout compris. Mais elle est pas bien en fait, donc c'est chiant. Oh, les petites fleurs. Là, on y est presque. Noobna. Oh là. Oh là là. Mais... C'est bon, la vieille, hein. Nous essayons de remercier beaucoup votre entraide. Mais quoi? Mais what? Qu'est-ce qui s'est passé? La vie privée, machin, d'accord, super. Bon, je pense que là, on va arrêter là parce que ça ne change rien. Ah si, il y avait essayé de discuter. Bon, je vais le refaire. Et voilà. On va aller ensuite voir les autres parce que sinon, on va jamais arriver et avancer. Ah, mes frigos aussi, il est cassé maintenant. Mais arrête de vouloir mettre la table tout le temps. Tu vas réparer ça, s'il te plaît. Allez.
Papa, faut que tu bosses. Papa, faut que tu bosses de ouf. Faut que tu deviennes concentré. Donc tu vas. Déjà, réseau social. Mettre à jour ton réseau social. Tu vas parcourir sur le web. Parcourir Simpedia. Ça, tu deviendras concentré. Les autres. Après, elle, je vais la. Ouais, elle a besoin de. Tu vas aller aux toilettes, toi, et puis tu vas aller dormir. Je sais plus où est ton lit. Ouais, tu vas aller dormir. Ok. Mettre à jour, il a 20 abonnés. Nous en étions où? Mais qui est-ce c'est? Ils savent pas se gérer eux-mêmes, Sissim, hein. Voilà, la porte dans la tête. Ouais, l'autre! L'enfoiré, il lui pique! Il lui a piqué sa salade! Tu te fous de moi, mec? C'est elle, elle s'est faite pour elle, quoi. Tu la laisses manger sa salade. Non, mais franchement. Au lieu de faire le beau, là, avec ton portable. Tu vas, je sais pas, moi, danser. Toi! Toi, t'es bien. Bah, c'est cool. Qu'est-ce qu'il faut que tu t'augmentes encore? Ta résolution de conflit. Mais fais, hein? Tu vas éliminer la journée, tu vas complimenter. Même si ça, c'est les manières, on s'en fiche. Toi, contrôle des émotions et empathie. Contrôle des émotions et empathie. Contrôle des émotions et empathie. Empathie, ça me fait un peu chier. Tu sais quoi? Tu vas courir te vider l'esprit. C'est le bordel dans la maison. Je tiens à vous le dire. Là, il est en train de faire son truc. Nicolas, lui, il répare. Une fois que t'as réparé, tu pourrais courir aussi, s'il te plaît. Elle est rentrée. Oui. Pourquoi elle a trop chaud? A chaud à cause de la température. Ah oui? Ah oui, s'il fait chaud. Jour 7 sur 14 du printemps. Papa, t'es inspiré. Tu devrais être concentré, mon petit. Oh là là. Va partager une photo. Tu vas reparcourir Simpedia. C'est là, il faut que tu bosses un petit peu. Ça, c'est moi qui mets dans la poubelle. Ok. Mais toi, t'es pas encore revenu, toi? Eh ben non, parce qu'elle marche comme ça. D'accord. C'est-à-dire que tous ceux qui n'auront pas la résolution de conflit de gagner vont donner des conseils à Aurélie. Aurélie, elle a quasiment tout bon, hein. C'est chaud, 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 les marrons. Qui c'est dont je me suis pas encore occupée? Toi, tu danses. Maintenant, t'as faim. Tu peux manger des restes. En même temps, papa, je lui ai demandé de faire à bouffer. Je suis même pas sûre qu'il ait fait quoi que ce soit. Hein. Enfin, je crois que c'était papa, je sais plus. Ah, mais en fait, il y a. D'accord. Ah oui. Non, il n'y a rien en fait. Il n'y a strictement rien dans le frigo. Tout va bien alors. Manger un repas rapide, tu vas manger des céréales. Comme ça, c'est fait. Toi, tu peux aller aux toilettes. Ouais, arrête de rigoler. Tu vas aux toilettes et après, tu vas aller courir. Je crois que je te l'ai déjà demandé tout à l'heure, je sais plus. Louise, elle a que la résolution de conflit à augmenter. Un zouk mu est bien sympathique. L'empathie! Mais t'es. Je sais plus, mais c'est elle qui devait courir! Va courir! Non mais. Résolution de conflit. Résolution de conflit. Et toi, t'as perdu ton journal intime. Oh, vous me cassez les couilles, sérieux, avec vos journaux intimes que vous paumez là, qu'on sait pas où ils sont. C'est quoi? Tu vas y courir aussi, vas-y. Tu me saoules. Hey, tout le monde est parti courir. Ça leur fera les pieds. Là, il remonte son contrôle des émotions, c'est parfait. Hop. Tu vas être quand concentré, toi? Mais qu'est-ce que tu fous dans la baignoire? Ah, mais non!
Enfin, publie un statut, je sais pas. Jouer. Tu veux une séance vas-y, joue à Internet. Joue sur YouTube en live. Tu vas voir, ça va te ramener des bazar brumi. Ah, meilleure journée de tous les temps. Je veux plus d'abonnés. John a obtenu 8000 abonnés. Oh la vache, si ça pouvait être vrai dans la vraie vie. Moi aussi, je veux plus d'abonnés. Vous pouvez devenir 8000, s'il vous plaît? Non, il y en a déjà beaucoup. Je sais pas si tout le monde regarde les épisodes des Ados Parfaits. En tout cas, je tiens à remercier ceux qui le font. Voilà. Le message est passé. Alors, toi. Je suis sale et je sens mauvais. Casser les pieds, oui, surtout. Bon, toi, par contre, tu vas te réveiller un petit peu. Mais non, t'as faim. Ben oui, t'as récupéré toute ta nuit. Là, je la fais dormir un petit peu, mais pas trop non plus. Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Tu danses. Parce que t'as besoin de te divertir. Sauf que ton empathie, ton contrôle des émotions, tu sais quoi? Tu vas faire du bénévolat, mon petit garçon. Alors, tu vas partir tout seul. La soupe populaire. Allez. On est parti. Il n'est pas encore trop tard. Ceux qui font rien, je vais les envoyer discuter avec Louise. Ouais. Et l'empathie, qu'est-ce que tu pourrais faire taquiner à propos du visage. Oh. Toujours sympa! Je ne sais pas. Discuter de ce que mangent les humains. Je sais pas trop. Non, mais toi, toi aussi. Voilà. Je vais vous tous vous envoyer au bénévolat et puis ça vous fera les pieds. Nettoyage de plage. Allez, comme si on avait de la plage à proximité des Sims, ce serait tellement parfait. Toi, tu fais ton petit sport. Oui, bah c'est bon. Toi, tu veux dormir? Non, tu veux faire une sieste? Non, mais puis quoi encore? Empathie contre les émotions. Ok. T'as faim. Oui, bah c'est pas grave. Tu vas aussi te barrer faire du bénévolat. Voilà, c'est comme ça. À la vente de gâteaux. Allez. Philippe, il va à la plage. Toi. Toi. Bon, et tous, 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 ils vont partir faire du bénévolat. Voilà. Magnification contre une maladie. Toi, tu dors. Elle fait son petit. Oh putain. Elle va prendre une douche, meuf, parce que tu pues. Paul! Paul! Paul, tu vas manger, tu vas pisser. Tu vas. Mais il n'y a rien dans ce frigo, c'est pas possible. Oh, j'en ai marre. Manger un repas rapide, des céréales. Et en même temps, tu regarderas la télévision, mon petit. Bah, c'est ce que tu fais déjà, c'est super. En tout cas, on va éteindre. Bah non, tu l'as arrêté, donc tu vas regarder la télé en même temps. Voilà. Elle, une fois qu'elle a fini sa douche, bénévole. Ah oui, oh, mais quand même. Tu vas aussi aller en maison de retraite. Lui, il se requinque. Et ce sera bénévolat aussi pour tout le monde. Là, vraiment, la journée bénévolat, quoi. Samedi bénévolat. Après, tu iras aux toilettes. Et tu feras du bénévolat tout seul à la soupe populaire. Ouais. Et toi, cocotte? Tu vas te lever. Tu vas manger ainsi des biscuits au fromage. C'est super. Tu vas regarder la télé aussi. Il a gagné 1200 abonnés. Ah, il a pété l'ordi. Non, mais hé, merde, hein, John. Oui, mais t'es relou. Vas-y. D'accord. C'est le bordel dans la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, on sait pas. Ça y est, elle va partir faire son bénévolat. Elle va se requinquer un chouille. Mais t'as pas mangé, espèce d'idiote!
Si, mais elle... Oh là là! Je vais faire du bénévolat. Nettoyage de plage aussi. Allez, Paul. Merde, non! Oui, allez, va la... Oui, je vais refaire soupe populaire. Ah non, mais sur le coup, je croyais qu'il devait faire du... Qu'il voulait faire la vaisselle. Mais non. John! Avant que ton PC y soit cassé. Réseau social. Mettre à jour ton statut. Tu vas. Re! Je vous jure, en plus l'heure, elle est forcément dépassée. Parcourir les œuvres d'art, non. Les vidéos amusantes, surfer sur le web. Sur forme d'éducation. Bon, ouais, tant qu'à faire. Et juste après, tu vas refaire Simpedia. Faut qu'il soit concentré, là. Il n'a pas du tout fait... Ah! Alors, Nicolas remarque qu'il n'y aura plus de soupe avant que tout le monde soit servi. Doit-il rationner la soupe et donner des demi-portions à tout le monde ou la diluer pour faire durer plus longtemps? Bah, diluer peut-être, je suis pas sûre. Nicolas va faire le chef demande de chou des oignons pour remplacer la viande. Le chef lui donne ce qu'il demande. La soupe est encore meilleure comme ça. Ah bah tant mieux. À gagner de la responsabilité. Mais c'est pas ce que je voulais moi. Il est moi ce que je voulais. Toi tu vas. Tu te décides, hein. Ah! Le nombre de Sims présents à la vente de gâteaux est plutôt bas. Si cela ne s'améliorera pas, l'œuvre caritative ne récupérera pas d'argent. Charlotte doit trouver rapidement une bonne idée. Offrir des verres de lait, poster des pâtisseries sur Simstagram, miam. On va les mettre sur la pâtisserie Simstagram. Charlotte semble avoir surestimé sa présence sociale. Merde, ses publications n'ont eu que 2 likes et n'ont pas été partagées. Le directeur de la vente de gâteaux lui reproche d'avoir passé son temps à jouer sur son téléphone et lui demande... Mais non! Ah, Philippe a demandé à se battre pour le déchet. Ah oui, ça. On reste en dehors de ça. Et voilà, il a gagné en résolution de conflit. Oh punaise, ça n'arrête pas. Ainsi vient voir Louise et essaie de la convaincre de laisser tomber la marche pour jouer avec lui. Bonne. Louise regarde la tête haute et continue de marcher. Elle sait qu'un grand nombre de Sims méritants attendent beaucoup de cette course. Elle ne peut pas abandonner. L'empathie! Ok, c'est cool. Quoi? T'es qui toi? Non. Tu nous dragues ou quoi? Bon meuf, allez là. Qu'est-ce que t'as toi? Qui c'est que t'es là? Qu'est-ce que tu fais là? Va te... Hein? Non, 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 non. Tiens, il y a des ordures. Ça va être poubelle. Non, la poubelle ne veut pas. On va la mettre là. Touk! Ok! Tout le monde est en bénévole. Papa, lui, il est toujours pas. Ah si, ça y est, il est concentré! Oh la vache! Après, en étant en colère, hein. Caleb, non, je préfère que tu viennes, Calebou. Tu vas, du coup, refaire. Non, plus de choix. Jouer en direct. Vive les Sims! Voilà, ça va lui faire gagner encore des abonnés. Il faut qu'ils soient en colère. Ouais. Alors, petit tour d'horizon. Contrôle des émotions pour Paul. Charlotte. Empathie et contrôle des émotions. Nicolas. Contrôle des émotions, empathie, résolution de conflit. C'est quoi ça? Philippe. Empathie. Ça, c'est bien. Louise. Contrôle des émotions. Ah! C'était bien Louise? Oui, c'était ça. Une Sim âgée propose à Aurélie de lui faire découvrir la musique qu'elle aimait avant quand elle était enfant. Passer de la musique moderne. Écoute... Non, on va écouter la musique. À la grande surprise d'Aurélie, la Sim âgée s'assoit et se met à jouer du piano. Sa musique n'est pas désagréable et Aurélie apprend 2-3 trucs. Elle améliore ses compétences en piano en jouant au piano avec les Sim âgées. Les bonnes manières. Mais oui, mais c'est pas ce que j'aurais préféré. Toi, il y a que la résolution de conflits. Et toi, il y a les contrôles des émotions, résolution de conflits. Elle a compris qu'il a compétence piano. Ah oui, quand même, en plus, hein, plus de la moitié du point, quoi. Elle est tendue. Bah attends, tu viens de jouer au piano, ça devrait te détendre, quoi. Bon. Tout va bien pour l'instant. Et papa joue en ligne. Le bénévolat, c'est amusant et cela forge le caractère. Et puis, c'est bon de faire quelque chose pour les autres. Compatissant, yes. Compatissant. Ils sont déjà rentrés. Ouais.
contrôle des émotions, mon petit. Tu sais quoi? Tu vas me refaire un petit sprint, toi. Contrôle des... Oh putain, elle est bonne. Elle est parfaite. Tu vas courir, toi. Pardon. Tu vas. Il n'y a que ta résolution de conflit à augmenter. C'est chiant, ça. C'est chiant, cette résolution de conflit, finesse. Entraînement. Ah ouais. Non, mais tu vas que faire? Résolution de conflit. On va trouver encore quelqu'un dans la rue. On va mal lui parler. Et puis voilà, il y a des gens là. Oh, il y a Calebout. Il y a Calebouche. Grossir. Allez. Le bénévolat, c'est la force du caractère. Alors, oh là là, il y a trop de choses. L'électricité se coupe juste au moment où il y a énormément de monde à la soupe populaire. Paul doit agir et résoudre le problème. Que fait-il? Appeler la compagnie d'électricité improvisée. Bah, improvisée, je vois pas comment. Paul est désagréable avec l'agent de service client. Il n'y est pour rien, l'agent finit par raccrocher au nez. L'électricité ne revient pas à la soupe de... Oh putain. Pff, compatissant. Richard a perdu... non, Paul Richard a perdu... Ah! Tu contrôles des émotions en se disputant avec le service client de la campagne. Mais pourquoi il s'énerve aussi, il est con, lui? Oh non! Quoi? Je m'en fous. Mais lui, c'est pas grave, il avait que ça. Oh, ça va, alors. J'ai envoyé qui, déjà? Non. Oh, ça n'arrête plus, ça n'arrête plus. Cécile ramassait des déchets sur la plage lorsqu'elle est tombée sur un portefeuille perdu. Que doit-elle faire? Trouver le propriétaire du portefeuille, garder le portefeuille. Trouver le propriétaire du portefeuille. Le propriétaire est si content de retrouver son portefeuille que cela vaut une accolade chaleureuse et des fourmillements. Oh, la coquine. A gagné la responsabilité. Ok, bon, bah, c'est parce que... Hein, c'est quand vous voulez, hein. Ça y est, elle arrive. Mais normalement, ils s'étaient déjà rencontrés, je comprends pas. Ah, oh, Zanzao. Parce que elle, elle a que la résolution de conflit. Tu veux discuter de la colère. Essaye de le calmer. Tu vas être méchante. Tu vas l'embêter. Qu'est-ce que c'est? Piquer une crise. En plus, tu te disputes avec un vampire, c'est tendu, hein. Ça peut prêter à... Non, tu... Avant de jouer à ton téléphone, tu t'excuses. Déjà. Tu t'excuses. Le contrôle des émotions est compatible avec l'obtention contrôle des émotions. Yeah, baby! Finalement, j'avance, j'avance. Hein. C'est long, c'est pas de fourmis. Mais on peut y arriver. Encore s'excuser. Non, excuse-toi les deux fois là. Voilà, ça remonte la résolution de conflit. Le bénévolat, ça va, hein? Ok, super. Ouais, doit pisser. Vous êtes chiant si à jamais être nickel hein, quand je vous envoie vous disputer avec d'autres humains. Parce que comme tu es... Il est en colère, il n'y a pas moyen de faire un truc avec quand il est en colère là. Vive sa journée. Pousser. Contrôle les émotions. Super. Il n'y en a aucun qui va bien dans cette baraque. Oh punaise! Regardez! Charlotte, elle a tout de validé! Charlotte, elle a tout de validé! Charlotte a tout de validé! Charlotte a tout de validé! Charlotte a tout de validé! Elle est la première à gagner! Ta 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 ta! Lui non! Ah! Lui aussi, Philippe! Yes! Ça c'est good! Ça c'est fucking good! Oh oui! Tu sais quoi, toi? Tu fais quoi? Résolution de conflit, machin, s'en fout. Tu vas venir ici et écrire dans ton journal intime. Voilà, et te remémorer tes souvenirs. On va retourner avec Louise et Calebou. Et bonjour, Calebou. Oh!
Il va la bouffer. Va se mettre à la bouffer. Et là, ça va être pardon, 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 pardon. Compatir. Non, 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 mais tu vas surtout. Tu peux rien faire? Ah non, il s'est pas transformé. Tu as complimenté sa tenue. Trouvez un terrain d'entente, voilà. Allez. Mais non, tu dois trouver un terrain d'entente. Oh, essaie de calmer. Bah oui, parce que sinon, il va être... Essaie de discuter. Allez. Ne sois pas gêné, c'est pas grave. Va choper! Il va manger quelqu'un! Oh la vache! Calebou, qui lui a l'aspiration normalement de base, va manger quelqu'un. C'est pas sympa. Voilà, ils sont tous rentrés du bénévolat. Allez! Non? Effacer la mémoire! Alors, empathie, ça augmente par contre. Oh, Snurb. Est-ce que tu peux t'excuser? Voilà. Mais, oh! Calebou! Tu es notre tonton. Supplié de pardonner. Une espèce de tonton, même si Lilith n'est pas vraiment notre mère, quoi. essayez de discuter. Allez. Ouais, oui, au milieu de la route. Vous avez raison. Bon. Aider à améliorer la... Oh, bah tiens! Il a une mauvaise relation avec un mec. Oui, t'iras pisser après. Oui, j'ai compris. Ah, il avait trouvé un terrain d'entente. Et je l'ai plus. Où es-tu? Où es-tu? Il avait essayé de discuter. Soit là, soit l'autre. Hein. C'est comment cette chiant? Là. Tu peux lui... Bon, et ça s'entend, ils s'entendent pas. Hein. Bon, ok. Après, tu peux revenir ici, s'il te plaît. On va. Aurélie. Aurélie, qui est donc, elle s'est disputée aussi pas mal avec un sim. Oh, mais meuf, papa. Qu'est-ce qu'il fout, papa, d'ailleurs? Il est toujours en train de... Vas-y, arrête. Tu vas faire manger. Tu vas servir le dîner, parce que là, ça repos. Et tout le monde qui est parti, tout là. Va dormir, toi. Il y a 200 abonnés. Bah, putain, c'est pas des mensonges. Toi. Tu vas pouvoir aller au pipi room. Oh la vache. Tu vas prendre une douche, ça va te faire du bien. Va aux toilettes! Aurélie. Non mais Aurélie! Aurélie, tu vas... Tu vas faire du zapping, j'en sais rien. Arrête d'aller au lit. Toi, non plus, tu vas là. Je vous jure. C'est la fête. Ils font tous nawak. Toi, qu'est-ce qui sonne? Oh, Caleb! Alors, toi, t'es nickel, t'as rien. Ah non. Bah non, bah Paul, il a perdu en contrôle des émotions. Paul! Paul, t'es assis, tu vas écrire dans ton journal intime, tant qu'à faire. Voilà. Elle. Elle a faim, elle prend sa douche, et on est ici. Elle, elle est nickel.
Elle est nickel, on n'y touche pas. Nicolas, il a besoin de remonter sa résolution de conflit. Nicolas, il a envie d'aller au pipi. Nicolas a eu des mauvaises relations avec Nathalie. Voilà. Toi, t'es nickel chrome, parfait, bilou, choupinou, là, je sais pas quoi. Tu peux te mettre là, mais on va pas t'user. Putain, mais elle. Ça va tellement pas. Mais non, on va pas te laver les mains! C'est pas possible, cette interaction. Papa, tu vas appeler à table. Comme ça, tout le monde ira manger. Toi aussi, tu vas donner à une mauvaise relation avec Nathalie Fort. Ça, c'est fait. On va voir si ça lui augmente de beaucoup. Pas énorme. Pas énorme, pas énorme. Tu as vachement besoin, déjà, tu vas manger parce que votre père, il vous a appelé. À danser, je sais pas. Mais toi, et en fait, il a pas appelé à bouffer. C'est du haut de daron. Ok, je suis très concentrée parce que elle aussi, on va lui demander de rétablir la. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Ah oui, il augmente son truc. Toi! Ah, résolution de conflit. Je l'ai peut-être déjà fait, hein, je sais déjà plus ce que j'ai fait, moi, ça. Par contre, tu peux le faire avec ta sœur, là. Non, il ne peut pas. Là 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 là. C'est compliqué. Non. Bah alors lui, espèce de con, déjà il appelle à manger maintenant alors que il avait déjà mangé en plus lui, hein. Franchement, franchement John, tu fais de la merde. Je veux pas dire mais, allez va faire ta life là-bas. Ça augmente la résolution de conflit de partout. Forcément j'ai pas su, lui il va manger. C'est très bien. Mais est-ce que tu peux améliorer aussi à Louise? Pas l'impression. C'est compliqué, je l'ai déjà dit, mais... Oh. Vraiment? Mais non, il n'y a pas, hein. J'ai l'impression que c'est pas tous hein, qui peuvent monter. Oh là, mais c'est tellement chiant. Tu vois, tu vas contrôler tes émotions. Tu vas écrire dans ton journal. Elle va manger, parce qu'elle est dans un état aussi. Est-ce que... Lui, il est à fond. Il n'y a que son contrôle des émotions qui est en train de remonter. Toi, Charlotte, c'est vrai qu'elle est nickel. Je touche plus. Toi, est-ce que tu peux? Je ne sais plus si j'ai déjà fait. Je refais peut-être encore une fois la même chose, mais il y a tellement de sims, il y a tellement de bordel à faire. Moi, je. Mais non, je ne peux pas. Elle peut avoir peut-être que un ou deux conseils, et puis après, ça ne fonctionne plus.
punaise, et toute cette énergie pour rien, je vous jure. Oui. Alors, Philippe et Charlotte, on n'y touche plus. Est-ce que toi, tu peux conseiller? Est-ce que t'as gagné en contrôle des émotions? Toujours pas, hein? Bon, elle est partie se coucher. En même temps, elle peut. Toi, tu peux après. Hop, hop. Toi, bon, bah, tu fais ta life. Tu mangeras pas parce que t'as déjà mangé. Hop. Toi, tu vas t'amuser et dormir. Toi, c'est bon. Toi, t'amuser et dormir. Toi, te doucher, aller aux toilettes et dormir. Toi, aller aux toilettes et dormir. Ça en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'il va faire? Crie des mots interdits. Non, mais tu te crois où Tu vas faire la vaisselle, oui. T'es toujours pas en colère, d'ailleurs, mon petit jeune, hein. Je sais pas si t'as remarqué. On a raté notre objectif. Enregistrer les fulminations en étant en colère. Eh bien non. Eh bien non. Faire du bénévolat, acheter des cadeaux. Il n'y avait pas un truc, faire un appel, faire un canard téléphonique. Ah, alors, il s'entend bien. On va faire avec Caleb, tu vois. Orb, Nurchel, Umbuk Myrna Watch. Booching! Ça a raté! Vous ne mourrez pas! Je sais que je parle à John, Richard. La prochaine fois, essayez de piéger quelqu'un de plus crédule. Mais écoutez la musique là! C'est la musique du premier trailer de la bonne saison. C'est énorme! Ils ont fait une mise à jour, ils ont mis la musique. C'est une très vieille chanson, c'est une vraie chanson. C'est pas du Simlish, quoi, je veux dire. Et ouais, ils l'ont mis en trailer. Moi, j'ai l'impression que c'était un truc actuel, mais en fait, pas du tout. Ça y est, je peux mettre. Papa! Tu déconnes ou quoi? C'est quoi, tu vas refaire déjà? Préparer un grand repas. Wow, grand petit déjeuner. Ouais, bah écoute, je veux bien que tu me prépares ça. Et cuisiner, tu vas refaire un plat derrière, voilà. Comme ça, il y en aura pour au moins 2 repas pour tout le monde. Oui, 2h30 du matin, hein, ça craint un petit peu. Toi, cocotte, tu peux te réveiller, s'il te plaît? Enfin, du moins, pas dormir dans ton bain. Ça flotte dehors. Non mais meuf, je t'avais demandé déjà de... Tu vas prendre une douche. Et après tu vas dormir. Alors toi, tu remontes ton contrôle des émotions, hein, c'est bien. Est-ce que tu vas dans le... Tu vas le valider? Ce serait cool. Ce serait très très cool. Wouhou! Allez, on se dépêche, l'épisode va être très très long. Paul? Ouais, Paul va dormir, t'as raison. Contrôle des émotions pour Aurélie. Un petit peu, mais pas encore gagné. Oh, il a la cassée. Elle m'épuise. C'est quoi, tu vas juste faire ça, tu vas réparer et t'iras te coucher parce que là, j'en ai marre. J'en ai marre! Aurélie a gagné le contrôle des émotions. Il restera plus que la résolution de conflit. Ben oui, un demi-tune, quoi, voyez. Go. Bon, voilà. Tout le monde est parti dormir, bien sûr, pas dans son lit. Hein. Il n'y a que Papa John que je fais dormir dans son lit. Et c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode un peu encore rocambolesque. On en avait partout et tout, ça a été compliqué, mais au moins j'ai 2 enfants sur 7 qui ont tous les traits validés.
C'est Charlotte que vous voyez et Philippe. Il me semble que voilà. Paul, ça devrait être facile. Nicolas, ça va être compliqué. Louise, ça va être compliqué. En fait, là, j'ai vraiment, c'est la résolution de conflit qui me pose le plus de problèmes depuis le départ. Mais bon, ben, le lendemain, l'épisode prochain, on sera le dimanche. C'est pas grave, le dimanche, on va pareil se faire disputer avec les gens et essayer de se réconcilier. Et ce sera avec Aurélie, Louise, Cécile, Nicolas. Ça en fait beaucoup quand même. Et ouais, non, ben voilà. Louise, Cécile, Aurélie et Nicolas. On en aura quatre. Donc ça veut dire qu'il y en a trois. Attendez, je sais plus là. Oui, j'en ai trois qui ont la résolution de conflit complète. Mais j'en ai que deux qui ont tout en tout validé. Comme ça, c'est bien. Par contre, toi, je t'ai demandé de dormir, pas de juste faire une sieste. Ouais. Allez au dodo. Voilà, allez, moi c'est là-dessus que je vais vous quitter. Je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode des Enfants Parfaits ou Ados Parfaits ou d'autres choses. Allez, salut!